En même temps, je vois en mettant le nom Roger Baka. Roger Baka. Il y a un complot d'empoisonnement. On veut utiliser les gens dans son entourage. Le Seigneur demande la prière. Il doit prier. Et il doit circoncire son entourage. Je vois Dieu arrêter l'écoulement du sang en Côte d'Ivoire. Je vois Dieu arrêter. Il y a un complot. Il y a quelque chose que le diable veut imposer à ce peuple pour qu'il y ait des grincements des dents et des pleurs. Dieu va arrêter. Il y a un grand politicien, mais qui est trempé dans les loges. S'il ne tire pas attention, il va céder. Alléluia. Alléluia. Prophète promesse. Moi na maman, kobuka na te okali solo Maman Justovitz, yene coach le poso ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traiter ba tempo, banduta. Boboko na nenga nenga o pesa ka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino Lokola poche des yeux, ridna elongi. Deisima, o profiter na cash ne okoma ko bom melongi. Okoma ko ke la nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka maman Justovitz. Okozonga leke leke, mwete mwete, ku mama nangaye. Babi mama Justovitz azo soigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo mutobetela batampo, esala keza mvete si la kate, elonye nzuluka, ekoma loko mbatume na depo makala. Yaka pote bi dokte azaka kamoko, coach azaka kamoko, kozoye eza nango facile. Azape na Facebook, WhatsApp, basit nyonso internet, soki olingozo wa produit na ye. Livraison dans WhatsApp partout dans le monde. Tobeta www.disnovitz.com. Azoce à la paix intuitive. Tobenga biso awana +44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu +44 74 24 025 737. Balapa. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Nous traversons le début de la semaine. Alors, et bon début de semaine à vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez voir tout ce que nous aurons posté comme vidéo. Bien sûr, vous qui ne savez pas comment vous abonner, regardez la manière dont vous devez effectuer faire pour être abonné. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton où c'est écrit « s'abonner » en rouge. Touchez une fois et juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez toute notification et touchez sur toute notification. Et voilà, vous êtes déjà abonné. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, vous qui êtes nettement branchés. Et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous avons Gédéon qui est présent et la réalisation comme d'habitude. Jonan Zouzi, Jordan Panzou. Voilà, c'est avec cette équipe que nous allons travailler puisque nous sommes prêts toujours pour vous servir et tel est notre devoir. Nous disons encore une fois de plus bonne fête à toutes nos mamans. Donc J.L. Lukombo, bonne fête. J.L. Bonne fête également à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Bonne fête à vous qui êtes toujours connectés et branchés. Clin d'œil spécial à Maman Marie M. 5 depuis Liège. Merci. Salutations également à maman Elena Manzila qui nous regarde. Encore une fois de plus, vous qui nous suivez, nous vous demandons tous de nous faire confiance en ce qui concerne la fondation Ndélé au cœur de la nation. Merci encore une fois de plus à maman Brigitte Malélé que nous saluons et vous qui continuez toujours à nous faire confiance. La fondation Ndélé ouvre toutes ses portes. Nous avons notre orphelinat
Christ Rédempteur qui est opérationnel. Je crois que nous sommes en pleine réflexion. Vous avez déjà vu la maison. Au moment où je vous parle déjà, et Jordan est en train de nous illustrer les images de l'orphelinat où habitera nos enfants, bien sûr. Alors, vous qui avez besoin de soutenir ces enfants, n'hésitez surtout pas, orphelinat ou Eza Ponabino. Eza, vous n'avez pas encore permettre aux bandes de cognons, surtout où vous avez un souci. Yakosunga, bananabiso ou bazangi bisika, à travers orphelinat ou yabiso, yango tolobaki, biso yonso tous ensemble, tome kakotia loboko, ponatina, nako sunga bananabiso. Ozana mikilia poto, ozana besoin yakozana contact nabiso. Numéro zali affiché, ozali à Maman Marie M5, ozali ko représenter fondation, kunana mikilia poto, okuki, en tout cas, ko bengaye, bosolola. Merci également infiniment na. Association Christ Vivant, Ezali dirigée par Maman Elena Manzila HBM, qui ne cesse de nous assister, qui ne cesse de prêter main forte, qui est opérationnelle, présente. En tout cas, ba maman Oyo, Bazali, ba maman Sengeli, pour soutenir Bango, et Bandekonyo, surtout Bazali, Nalikanisi, Yakokota, Nakatia Vision. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons faire l'arrêt sur image, bien sûr, puisqu'il s'agit tout simplement d'une vidéo qui a circulé il y a de cela 3 semaines. Cette vidéo qui porte une prophétie, et cette prophétie touche 2 personnes. La première des personnes, c'est l'évangéliste Roger Baka. La prophétie nous parle de l'évangéliste Roger Baka. Moi, je ne ferai pas trop de parlotte, mais na rolo bakaka na kotika bino botala. Boyoka biango. Deuxième prophétie, Ezali ko lobela sur Mboka, la Côte d'Ivoire. Oyo frère Nabiso chantre de l'Éternel Mike Flor qui est en train de parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que Makila est autant en Côte d'Ivoire? Et à qui Simba, autorité, moko ya munene ya Côte d'Ivoire, Oyo, ya le Bela ki ao. Il y a 3 semaines que notre frère a eu cette vidéo, a été sur la toile. Je crois que vous avez déjà suivi cette vidéo. Et je vous avais proposé cela. Il y a de cela 3 semaines. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous parlons de la Côte d'Ivoire parce que nous parlons de la disparition d'un grand, ami à la culture africaine, bien sûr, et congolaise en particulier, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui avait un accent assez particulier en ce qui concerne la musique ou la musique congolaise, bien sûr, parce qu'il il a été ami à Kofi Olomide, un grand frère pour Fally Ipupa, un papa pour Inos B, il a été proche de beaucoup d'artistes. Donc, et à chaque fois que les artistes musiciens se rendaient en Côte d'Ivoire, il était toujours présent. Il était toujours présent et il soutenait ces artistes et musiciens. Si nous parlons de ça, c'est parce qu'il y a eu la disparition d'un grand géant, un géant de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique aussi, parce que c'est quelqu'un qui était pro de tous ces artistes qui faisaient tour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'est plus, il est parti. Donc, Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui est parti. Alors, nous retournons sur la prophétie. Parce que dernièrement, il y a un frère qui me dit, mais vous exagérez avec la prophétie. Vous exagérez avec la prophétie. Mais on se pose la question, on exagère comment? Certains appellent pour dire que non, vous savez, vos prophéties là, ça fait peur et tout et tout. Pourquoi vous devez avoir peur? Avoir peur de quoi? De qui? Et pourquoi? Si réellement nous sommes chrétiens, si réellement vous êtes chrétien, vous n'allez jamais avoir peur. Puisque dans 1 Thessaloniciens, je crois, 5, chapitre 5, verset 20 à 21. On va lire parce que le problème avec le chrétien, c'est que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Or, la Bible nous recommande de lire la Bible. On dit que cette ligue, que ces livres, que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Donc, c'est-à-dire, médite les jours et nuits. Je vais lire, je crois, 1 Thessaloniciens. Parce qu'on sait qu'il concerne le prophétie. Les gens appellent pour dire que non, on a peur et tout, tout, voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20. Ne méprisez pas le prophétie.
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà, je répète, c'est-à-dire, on dit, ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On se pose la question, une prophétie qui est là, du coup, tout le monde va dans un même sens. La contradiction. C'est-à-dire, il n'y a pas des éléments, il n'y a pas d'analyse que nous pouvons faire pour tirer ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Non. Moi, j'ai toujours dit que nous ne devons pas avoir peur. La prophétie par excellence est la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, la parole de Dieu a déjà prédit cela et a bien mentionné. Le problème, c'est seulement parce que nous ne méditons pas. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous avons nos Bibles dans nos téléphones. Nous avons nos Bibles dans nos maisons. Mais bizarrement, c'est un livre que nous pratiquons difficilement. Que nous lisons difficilement. Nous avons le temps de nous réjouir. Nous avons le temps de nous divertir. Nous avons le temps de faire nos courses. Mais le temps de méditer, ça, on n'en a pas. Et lorsqu'il y a une prophétie, du coup, tout le monde est là. Ça creuse même le buzz. Les gens parlent tout autour de ça. Il y a même des gens qui insultent. Chers frères et sœurs, pourquoi insulter? Si ça ne te concerne pas, rejette. Si tu ne te trouves, tu ne te sens pas intéressé par cela, rejette. On ne te force pas. Et si tu penses qu'il peut y avoir une ligne, il peut y avoir une idée qui cadre avec ce que tu veux, écoute, c'est juste là, garde ça jalousement pour toi. De peur que tu ne tombes pas dans le village de si je savais. Une fois dans ce village, il n'y a que de regrets. Et les choses passées ne reviennent plus. Le temps passé ne revient plus. On aura du mal à nous rattraper par rapport au temps. Et là, c'est le regret. Non, si je savais. Suivons d'abord cette prophétie qui a parlé de l'évangéliste Roger Baka et de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire maintenant, la Côte d'Ivoire, nous avons perdu un grand. Ahmed Bakayoko. Prophétie aux 3 semaines. Moutoumoko tatika la kotiangwaka. Vous verrez même des commentaires. Ah, Boleki Sipé. Je précise bien, cette prophétie date de 3 semaines. La vidéo date de 3, il y a 3 semaines depuis que vidéo Isaïe sur Isaïe na toile. Et j'étais le premier à prendre cette vidéo. Prenons le temps d'examiner les choses. Ne méprisons pas seulement les choses. Et le webimi, seulement parce que Montosan a besoin peut-être qu'il était mal au Belabiso. Nous traversons un temps très très difficile. Nos frères qui sont en Europe, nos frères qui sont partout à travers le monde, je crois que Mutumorote Akoboya, même au Congo, le système devient de plus en plus compliqué. Les choses ne marchent plus. Et s'il y a quelqu'un qui est en possession d'une information, faudra-t-il garder cette information pour lui seul ou bien pour elle seule? S'il y a une information, je crois, qui concerne la communauté, où est le mal si quelqu'un vulgarisait le message? Où est le mal si un de nos frères décidait de partager la vision ou le message avec nous qui sommes ce frère, ce sœur? Suivons d'abord en image et nous allons nous retrouver juste après. Suivons. En même temps, je vois, on me donne le nom, Roger Baka. Oh yes. Roger Baka. Alléluia. Il y a un complot d'empoisonnement. Alléluia. On veut utiliser les gens dans son entourage. Alléluia. On veut utiliser les gens dans son entourage. Alléluia. Le Seigneur demande la prière. Il doit prier. S'il doit suivre ce live, il doit prier.
et doit circoncire son entourage. Il doit circoncire son entourage. La vache est la plaie des rebochandarabas. Je vois Dieu arrêter l'écoulement du sang en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je vois Dieu arrêter. Il y a un complot. Il y a quelque chose que le diable veut imposer à ce peuple pour qu'il y ait des grincements des dents et des pleurs. Dieu va arrêter. Il y a un grand politicien, mais qui est trempé dans les loges. S'il ne tire pas attention, il va céder. Alléluia. Alléluia. Prophète promesse. Alléluia. Zamba yebisingai. Na fête ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi saliwana bato ba mona kite. Yamba souflinga bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komuna saliwana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosa kate. Ponga na yebisa Nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek. Très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin à yoto voisin à yoto. Ce qui est beau, c'est que solo fait ça pour la reconnaître. Il y a un canard. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Très chers amis téléspectateurs, nos frères et sœurs. Surtout mes frères congolais en particulier, parce que je m'adresse plus aux Congolais maintenant là. Là, c'était la première partie où nous avons suivi ces images. Merci à l'homme de Dieu, Mike Flor. Je crois que s'il y a un message de la part du Seigneur, il ne faut jamais se taire. Il ne faut pas se taire. J'ai vu des gens écrire « Ah, il n'est pas commis prophète ». Depuis quand Agoma prophète? Et si Dieu se décide d'utiliser quelqu'un? Je ne sais pas, est-ce qu'on doit, on doit dire à Dieu non? Il fait grâce à qui il veut. Chers frères et sœurs congolais, n'ayons pas cette habitude de traîner tout autour de la bassesse. Au contraire, résistons et nous devons nous unir afin de créer ou de former une nation forte. Une nation unie. Une nation qui portera des fruits, une nation qui sera forte demain. Vous savez, il y a une phrase que j'ai toujours répétée. On nous a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Certes, nous sommes d'accord avec cette phrase. Et je ne pense pas que vous qui nous suivez, vous partagez un avis contraire. C'est vrai, c'est ce que nous avons toujours dit. Pourquoi? C'est parce que c'est la jeunesse qui incarne l'avenir d'une nation ou d'un pays. Mais s'il faudra réfléchir en termes de la RDC, je crois qu'il y a une déception totale. Les autorités ne pensent pas à l'avenir de la RDC, ne pensent pas à la jeunesse. Cette jeunesse qui est négligée, abandonnée, rejetée,
et qui est placé à la dernière position. J'ai toujours parlé de notre nation en disant une nation qui n'a que deux classes. Un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre, un pays avec une classe extrêmement riche et une classe extrêmement pauvre. Et tout ça, nous devons réfléchir tout autour de ça. Moka o tozo kende wapi. Namaram oyo ezo salama tozo kende wapi na moka na biso. Et s'il faut parler, vous verrez les gens qui vont passer ici pour dire mais non, tu te prends pour qui? Yo ozanani moka oyo eza ya biso. Moka oyo eza ya biso. Et j'ai l'impression comme si le temps passé ne nous enseigne toujours pas. Le temps passé ne nous enseigne pas. Il y a eu le régime Mobutu qui est passé dans ces pays. Avec des hommes puissants, forts. Avec des familles riches dans ces pays. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, ces régimes pouvaient partir. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, le règne de Mobutu pouvait prendre fin. Regardez comment était la fin de Mobutu au pouvoir. Abandonné par ses propres amis, avec des gens qui mangeaient avec lui, avec ses lèche-bottes qui étaient tout autour de lui. Mobutu est parti comme un petit enfant, négligé, avec beaucoup plus de stress, avec en possession de maladies psychosomatiques. Ma blessure intérieure et les cahiers tellement, il avait tellement confiance dans Batu que Akomanasuka. Batu tout va abandonner. Même la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mobutu est parti avec ses 32 ans au pouvoir. Il a consommé 32 ans au pouvoir. Bana bazala ki mike, tobotami, tokoli, Mobutu azala kakawana. Abandi ko dirige ko konza ba papa na biso. Akondi bango akondi akoti na bana. A condi. Et Mobutu, en fin de compte, il est parti. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Nous avons embrassé le régime de Kabila. La Kabylie est arrivée. Ici, nous parlons de deux régimes. Il y a Kabila père et Kabila fils. Kabila père est venu. C'est vrai, son temps n'a pas marqué beaucoup plus de choses parce que c'était les pays venaient de traverser une période très très difficile. Les pays étaient dans un état chaotique. Il y avait une destruction totale. Il a fallu abanako reconstruire, abanako mettre des choses en place. Et un bon matin, des coups de balle commençaient à crêper partout. Mzé Laurent Désiré Kabila est parti. Un bon matin, on nous enseigne, on nous apprend qu'il est parti. Il y a eu des obsèques, mais on ne pouvait plus le récupérer. Il était parti. Kabila, le fils, est venu. 18 ans au pouvoir. Il y a eu des gens forts dans ces pays. Il y a eu des gens, je dis bien des gens forts dans ces pays. À l'époque de Kabila. Ces gens sont venus. Nous avons vu comment est-ce que Batongi banda kuna mboka oyo ba sali folie na kati ya mboka oyo. Et pendant le règne de Kabila, tout le monde parlait. Dictature, 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 dictature. Bandeko, on pouvait encore accepter. Kolba que c'est vrai Kabila, il n'était pas préparé. Kabila n'avait pas Azaki na maîtrise yamboka ote. Il a été taxé de tout. Kabila, 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 Kabila. Il y a eu des marches. Les gens sont morts dans ces pays.
pour que l'État de droit soit là. Des gens sont morts dans ces pays. Pour que l'État de droit soit là, les Congolais ont se retrouvé dans les Mbokao. Vous savez, ça fait très mal. Aux États-Unis, le noir qui a été tué. Aux États-Unis. Nous avons suivi en image, nous avons vu en image. Noir Zaki torturé par policier. Il a été tué. Tomoni, avant-hier, il y a trois jours passés, Bautiko remettre dans la famille, il y a 27 millions de dollars. 27 millions de dollars. C'est vrai, Ekosso m'a vu à Moutouté. Rossi Moukendi est parti. Sors la famille Nézal. Bana Oyatika. Thérèse Kapanga est partie. Famille Naé. Perte totale. Il y a des gens qui ont payé les prix. Il y a vie na bango pour na mboka oyo. Et ces pays ne décollent toujours pas. Maintenant, avec le président Fatih, le problème devient total. Maintenant, nous avons beaucoup plus de problèmes parce que... Et j'ai dit, je répète cette phrase. Le président Fatih risque d'être le président le plus haï du Congo. Il risque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas droit au pardon. Azan a droit à une RRT, Arosa Lapé n'a droit à un pardon. Le président, plus de 30 ans, na bande de touche net au bien en Arabie Saoudite. Plus de 30 ans, na opposition. Ils nous ont dit, bah yebi politique ya mboka oyo. Bah yebi madusu nyon sotu ya mboka oyo sika makambezo simbate. Mais regardez depuis que le président de la République est au pouvoir. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Instabilité totale sur na domaine nyon sotu. Si le gouvernement est obimaté, on se pose la question, pour nani est obimaté, partage du gâteau. Nani a kozwa, nani a kozwa te. Tenga parti, on a kozwa te. Nana besoin de pesa kote a l'opele. Tenga na besoin de kote a moutou. Nana te, nana zina zon, nana zon motema. Congo. Vous savez, c'est décevant et surtout, bande de konabi sur la presse présidentielle. Vous devez faire très attention. Vous savez, en communication, on nous a appris. Photo n'y a surtout, ils ont la définition, ils ont la signification. Et on se pose la question, président, comment on a mis qu'on shooté, photo, qu'on shooté, président de la République. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ces pays? Nous sommes des Bantous. Le pays va mal. À l'Est, le sang ne s'arrête pas. Le sang coule chaque jour. Vous allez copier tout ce qui se passe à l'étranger pour nous amener ici. Et les gens ont tendance à croire comme si Congo est à Kinshasa. Congo est à Kinshasa. Botika au Kosabiso. Visibilité au Bosala na Kinshasa awa. Yangonde Congo te. Congo est un pays moko vaste. On se pose la question toujours qui nous a pris beaucoup. Réseaux sociaux saturés, photos à président à président. Shooting na shooting. Vous savez comment on a combien de shooters? Attends, 30 ou 10. Le président qui se déplace, tout mouvement est signalé. Oh, mais c'est grave. C'est grave. Le président va se déplacer. On sait déjà que non, j'ai dit, le président va se déplacer. Bande de travers la présence, va se déplacer. Non, on sait que je me déplace avec le président. C'est-à-dire que Moutoutou a dit que nos présidents ont voyagé. Est-ce qu'on peut rentrer sur la promesse? Ma promesse, c'est sur le président de la République, après ça, pour la bande de Konabiso à Est. Ma tout bazo koufa. Et bande de Konabiso à présidence, comme surprise, et c'est moi, te fandi karaboye, réseaux sociaux et indi nango. Président de la République, a batami si ma porte. N'a ta la bouquet de fleurs. Et belé, présent Zozela. Maman Koti, président Yapesi. Romantisme dans un pays où rien ne marche.
Mais c'est quoi cette histoire? Les gens se font décapiter à l'Est. Vous nous amenez les photos de présidents sur les réseaux sociaux, le président de la République, en culotte, na plage, en train de se réjouir. Quelle est l'attitude que le président de la République devait adopter pendant cette période? Si on a le bibou, on a commenté, je ne suis pas là. Nous avons le courage de dire quand même tout haut. Magamo, bino besoin de sécurité. Mais biso toi na kisa samé, on va le dire. Nous allons répondre derrière nos directs. Tozong il a pas direct na biso. Wox populi wox dei. Comme disent les latinistes. Wox populi wox dei. Script amanent werba Holland. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Des invitations. Mais on se pose la question. C'est-à-dire, bazo luka moutou, bazo luka yo, invitation et bimi, to convocation et bimi. Nan ne komi nanda kuna yo te deje, ou ebele on a réseaux sociaux. Et komi nan nanda koute, ou ebele on a réseaux sociaux. Ba poste déjà. Tel. Tout ça na recherche à Kingan. Et bimi na réseaux sociaux, et bandi kotambo la. Moutou pas moutou pas invitation dans les réseaux sociaux. Il y a personne qui est dans les réseaux sociaux. Il y a personne qui répond dans les réseaux sociaux. Eh! Ah non. RDC. RDC, Moko, Tozo Kinewapi. Tozo Kinewapi, RDC. Le président ne peut plus se déplacer. A Kenena fête, c'est Moko dans le calme. Le pays va mal. Rien ne marche dans ce pays. Trois ans maintenant. Mais vous verrez, ceux qui ne sont pas réalistes, ils seront là en train de commenter. Olingi soit salanini. Olingi au privé et vie. Pour que les gens ne soient pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Qui ça, ça, ou ceux qui montent au pays, qui ça, ça, pendant un mois. Vous aurez le temps de commenter. Sincèrement, vous aurez le temps de commenter. Puisque vos frères et sœurs n'y habite pas, voilà pourquoi est-ce que vous avez le culot et le courage. Otika maman non na kingabo awa, otika maman non na masina awa, otika maman non na matete awa, otika maman non na ngaliema awa, oyebi ataso ba takufi na maman na kivu yo ko makara mawa après esili wana. Vous savez, il y a un adage qui dit ne peut consoler un orphelin que celui qui est orphelin. Pour au consoler mutakufi la tata to maman to mobali, il faut za la mutakufi la tata to maman to mobali to moi si to po oyeba pas na ye. Sinon, tu es au Zalaka, tu as dit que non, ça va aller. T'en fais pas, ça va aller. Non, il y a des gens qui t'en fais pas, ils ont la douleur à mon tour. Non, il y a des gens qui non, sois fort, ils ont la passe à mon tour. C'est-à-dire que la personne doit avoir le temps, il y a qu'à gérer l'eau. Afin de faire Andimi douleur wana ndabani kore banisiko ko surmonter ango Congolais, arrêtons d'être fanatiques. L'UDPS n'a pas droit à l'erreur. S'il vous plaît. L'UDPS n'a pas droit à l'erreur. Mboka oyo, tous en a besoin, mboka ekende liboso, mboka oyo. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de distraction, tous en a besoin de distraction. On n'a pas besoin de gens qui vont adorer le président Fachi. On n'a pas besoin de toutes ces appellations, Fachi Béton, Fachi Nini, Fachi Kamata Bizou, Fachi Kamata... Arrêtez avec tout ça, arrêtez. Poussez le président à travailler. Poussez le président à faire encore mieux. Faites très attention. Les gens risquent de regretter Kabila. Il faut faire très attention. Les gens risquent de le regretter. Mes frères et sœurs, regardez lorsque il y a une passation, il y a pouvoir entre président Fachi na Kabila. Regardez les différentes sorties, l'apparition publique, il y a Fachi. Regardez l'engouement qu'il y avait avant.
comparer avec, ces sorties d'aujourd'hui? Est-ce que les yeux que vous avez, bozo monate. Il y a des images aujourd'hui. Je ne sais pas si Jordan peut nous illustrer les images. Je ne sais pas si Jordan, vous pouvez nous chercher ne fût-ce que les images. Le discours du président de la République à l'Est, au site Kivu, précisément sur la place du 24 au Férou, si je ne me trompe pas. Nous avons eu la grâce quand même de sillonner quand même la République démocratique du Congo. Le président a dit quoi? Il a dit s'il faut donner sa vie, s'il faudra donner sa vie, il acceptera. Il accepte de donner sa vie pour que la paix puisse régner à l'Est. Il a dit qu'il va déglocaliser à Kolongola, état-major. Ah ouais, état-major est comme à l'Est. État-major est comme à l'Est. Ça fait 3 ans. Bisson a dit ça, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout ça n'a pas bien. Et voilà la plupart des bandes qui vont commenter. Awa, ou bazo finga, awa. Yo, ozo finga, parce que ndeko na yo, to maman na yo, aza na ye, awa, na ki sa sa. Même na kananga, awa. Rien ne va, rien ne marche na kananga. Mujimai, awa. Rien. Et l'eau remonte au salam. Mais quand il s'agit de Kabila, non, c'était un étranger. Ok, d'accord. Si on ne connaît pas ça, mon dirigeant Mokao, Congolais, ne bobenga Congolais. Tout le va péter. Pourquoi? Parce que non, président de la République, soyez bolobi boyé, ils allaient rater, il y a des commentaires et tout. Parlement debout, tu vas dans mon akala. Ils ont sous le lot. Limité au bandeau au pela moto wana batu place au lekezate. Ezala sou bongo lelo. Il faut faire très attention batwa comme ko lemba président de la République. Accepter boyo ka vérité otozo loba oyo. Au moment où je vous parle, c'est que je suis en train de parler. Au moment où je vous parle, bazo illustrer bien ma image. Na place totale la situation à Goma. Sur les réseaux sociaux, polémique et zanine. Ote, collier, premier dame malade. Bah, tu as pris 97 000 euros. On n'a pas besoin de voir tous ces cadeaux. Pensez-vous que Kabila, avant de payer sa maman, livre un cadeau de... Réfléchissons ensemble. Vous êtes sûr que président Kabila, ex-président Kabila, avant de payer sa maman, livre un cadeau de... Mais est-ce que nous, on a besoin de ça? Nous, le peuple, est-ce qu'on a besoin de ça? Réseaux sociaux saturés, bah Facebook saturé. Bah, photo, bah, bouquet de fleurs, bah, photo, bah, cadeau de nini. Vous n'avez pas de vie privée. Le président aussi a sa vie. Laissez-le faire sa vie en coulisses. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin Moussala Ezko Eko Mamalamu. Batouba Futama. On n'a pas besoin de tout ça. Réseaux sociaux avec des bassesses na bassesses. Et où tu vois puis na présidence. Je crois que la présidence de la République doit être restructurée. Président de la République, la lire au fond les choses, Mabe Eza. Président de la République, je ne vois même pas le président de la République en 2023 avec cette allure, Batouba Sepelanae. En tout cas, je ne pense pas. Ok, d'accord, Fatih est en train de déboulonner, D'accord. Les gens traînent dans des bêtises. Le voyage de Kabila, polémique tout autour de ça. Kabila Kimi, Kabila qui a rosongate.
Mikolo ele kaba ba jour de passé journée ko ki azungina. O kingakati boy, ba osala. On vient de voir les images de kingakati. Maman Olive ya mbagi batu. Zaina kingakati. Arrêtez de nous distraire s'il vous plaît. Arrêtez de nous distraire. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple a besoin de se retrouver. Comment est-ce que vous aussi ça peuple boy? Mutwa botama avant règne ya le fait maréchal Mobutu. À côté na 32 ans maréchal Mobutu atika le kozwata elo ko monote. Misère na misère. To l'équipe période wana. À côté na musée les pères. Passe n'a passe. À côté na Kabila le fils. Passe n'a passe. Ti moto ngope akufi amon atika le komona bomengwa mbokote. Atika le komona ta malama mbokote. Les amis, nous devons changer. Je crois que nous allons reprendre avec nos directs qui permettra à ce que Bandeko, le peuple, Bayeba, réagir. Yango Nezali, Wox Popul, Wox Day. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Yango Nezali, émission Torobanda, Mikolo Zoya Awa. Live direct, Bandeko Kuna, na poto toko benga, Bandeko na bunya na beni, bazo benga, mutuna muta robanda kolo, ba sans pourtant afinga. Au petit point de vue, na yo, mais sans pour autant offrir. Kofinga ne te renimate. En tout cas, kofinga et kosimbate et kolegapete. Kofinga bofinga te, mais makam nyo surtout et les kanakimia na bopete. Na nyonso, vraiment tous à la nakimia moko total pour makam nyo surtout et zala bien. En tout cas, bokoli misabiso. Merci beaucoup na bande retour au bozu occasion ya kota la biso. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Nzambe akobomba biso. Merci une équipe technique Mobimba. Alors on a voulu tout simplement que ça la mise au point na makam oyo ezoli kana kati ya mboka na biso et aussi na ozali o etali prophétie. Même na bakuku elobiamu. Toti ka kobanga, toti ka osala spéculation, ce qui likambo ezali prophétie ebimi to banga eloko moko te. Au contraire to examiner en totali ya malamu to zui. Ya mabe otiki. Au lieu de tourner tout autour dans kati ote, ezabongo te, ezaboye, ezalabo, ez ça s'est passé le temps inutilement. Merci beaucoup, Namino, surtout. Au coup d'année, très très prochainement. Au revoir.